C'est dans le commencement, c'est Oligar qui est un politicien qui te met sa main dans tout le quartier populaire. Mais te met sa main pour te faire ghetto, boum avec lui. En jodian, moi-même, je essayer de parler avec tout monsieur. Ni ça qui est ennemi, ni ça qui est ennemi, parfois qu'on a boum avec lui, qu'on a cherché à l'assassiner. Je vais essayer de montrer que les noirs pour entre nous, la première victime, c'est le monde qui semble nous. Quand il y a un monde qui a brûlé, c'est quand il y a un monde qui est dans le quartier populaire, même côté avec nous. Le monde qui a mouru, c'est les frères, c'est les soeurs, les familles qui ont mouru. Pendant ce temps, ni oligarques, ni politiciens, petit toi, madame, à l'étranger, ils ont une université à étudier pour être capable de tourner vers toute une génération qui a vécu derrière. Même Jean-Papa, à maman, ils ont tout pissé avec famille, à toute une génération, pas maintenant qu'elle a vécu. Et je vais montrer au gouvernement entre nous et pas mener nous aucun côté. C'est peut-être ça que au commencement objectif n'est pas même. C'est peut-être ça nous reconnaître que pas qu'il bagarre qui compte qui barre. Il y a quelques groupes qui ont des armes aujourd'hui à nous faire alliance avec eux. Qui compte faire série des actes qui barrent et que société a reproché. Par exemple, kidnapper les gens, violer les gens. Et ça que aujourd'hui on a pour moi avec nous pour montrer aux actes ça. Il ne pas refléter l'image vivant ensemble. Il ne pas refléter la bataille que nous avons fait. C'est peut-être ça nous demande de programmer sur le kidnapping, si c'est pas violer les gens, tuer les gens. Je pense que au commencement, la vision, l'idéologie, on pas de même, mais avec le leadership que moi-même, je vais développer avec quelques autres leaders dans vivre ensemble, nous commençons sur la même longueur d'onde. Nous commençons à faire des choses au même genre. Kidnapping pas bon, viol pas bon, tuer les gens qui sont de nous pas bon. Les âmes, ça, les gars qui ont politisé, ont été banons, je dis à nous, vivre les âmes dans ce. Et moi, pas utiliser la force contre monsieur. Si je utilise la force contre son groupe, je vais me la vie. Je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Contre nous, il met des situations. Mais chaque jour, parfois nous parlons 7, 8 fois dans le téléphone, ou à chaque fois que nous avons une nouvelle, soit on est dans le monde, soit un bagage qui n'est pas bon, qui fait, nous toujours les messieurs dans le téléphone pour nous garder ensemble comment nous sommes capables de corriger ça. Et même eux-mêmes, tout qui t'a fait là, je dis à eux pour commencer à prendre conscience que ça n'est pas bon, nous ne pas faire encore. Mais moi-même, juste assurer que je toujours continuer à parler avec eux et que vous ne pouvez pas attendre, vous ne pas continuer à faire. Et je pense qu'avec le temps, il n'a fini par jouer le résultat qu'il a cherché à vivre son pays sans kidnapping, sans viol, sans tuer le monde. Et il n'a fini par chasser pour les gars qui ont abolition ces corrompus dans le pays. It's definitely calm since on there because of the balance, but there's not a... Et, pour bien comprendre ça, il faut que nous retournions dans l'histoire des esclaves. Il y a trois catégories d'esclaves. Il y a esclaves domestiques, il y a esclaves à talent, il y a esclaves déchets. Esclaves domestiques, et eux-mêmes qui ont travaillé à colon. Les colons ont dormi, ils ont été dormi. Les colons ont mangé, ils ont mangé, ils restent mangés les colons. Les colons ont regardé, ils n'ont pas besoin, ils ont resté là. Les gens ont trouvé qu'ils sont à l'aise, ils n'ont pas besoin d'indépendance. Et il y a un autre groupe d'esclaves, qui étaient esclaves à talent, qui ont joué musique, qui ont des métiers, qui ont des séries de bâtiments qu'on fait. Les fait qu'ils ont fait meubles, ils ont fait électricité, ils ont travaillé au café. Ils n'ont pas trop besoin de liberté parce qu'ils étaient au service de colons. Le groupe d'esclaves qui était plus mal, c'était des esclaves qui travaillaient dans le jardin. Côté que même 6h du matin ou 6h du matin. Ils n'ont pas de temps pour dormir, ils sont toujours dans le jardin. Et ils mettent des esclaves par eux, ils fouettent. Celle qui a été pour rejoindre, c'était Roumain pour prendre la liberté. À chaque fois, esclaves des champs à battre pour prendre l'indépendance, esclaves à talent, à esclaves domestiques, ils sont toujours fongeants. Pour rapporter tout le plan de colons. Et ça fait avant même que des salines de faire bataille d'indépendance, ils étaient obligés de tuer tout esclave à talent à esclave domestique. Alors, on finit tout ça après m'expliquer au reste, par rapport à la voix qui était sortie. La classe politique qui là, c'est esclave à talent. L'autre groupe de monde qui semble nous, qui sont sur les réseaux sociaux, et les gens qui sont dans les médias, c'est esclaves domestiques. C'est eux-mêmes qui ont détruit nous-mêmes, esclaves des champs. Nous-mêmes qui avons des armes, ça nous amène. C'est esclaves des champs. Celle-là qui est pour nous, c'est craser le système. Même gens esclaves longtemps, ils n'ont pas gagné pour perdre, mais ils ont tout le bail pour gagner. Rien à perdre, tout à gagner.
mais même j'avais aujourd'hui là nous pas gagne rien pour nous perdre que nous bouler tout ça qui est dans pays que nous craser tout ça qui est dans pays ça qui est important pour nous c'est jeter le système après nous reconstruire tout bagaille mais avant même que nous arrivions joindre en montant pour Reginald Boulos, avant même que moi vais jouer en montant pour Dimitri Vaux, avant même que je vais jouer en série de l'autre oligarque corrompu qui a crasé le pays, il faut que je joue en montant pour André Michel avant, il faut que je joue en montant pour Majorie Michel, il faut que je joue en montant pour Don Gato, il faut que je crase la classe politique qui est là, et il faut que je crase une équipe de vagabonds qui est les têtes militants qui a pas un corps pour détruire nous sur les réseaux sociaux et que pour faire combinaison contre nous. L'un fin passé pour un monde ça, mélanger à la classe politique, laisse ça te réappeler pour nous faire au décat que nous besoin. Je pense que ces gens d'expliquer dans le commencement, c'est même monde qui met des âmes qui créent des autres, et que c'est même monde ça qui a demandé José à vous forcer à venir. Est-ce que vous avez des qui sont même là? Et pas acheter, m'acheter. C'est dans le business au décat pour les jeunes. Et est-ce que vous avez permis pour moi d'examen ça en Haïti? Non, ça veut dire que guerre. Vous n'avez pas permis pour. Tandis que vous avez des gens qui ont des examens dans le business. Et moi-même, je suis dans le business. C'est même pour ça aujourd'hui qui a appelé les forces étrangères pour venir. Parce que j'aime te dire là, si Kenya est venu, premièrement, il va lui faire massacre dans le quartier populaire. Parce que les oligarques, avec les politiciens, vont l'orienter vers le quartier populaire sous prétexte qu'il y a une décision de bandit. Sous prétexte qu'il y a une décision de gang, il y a un entrée dans le quartier populaire et que pour venir faire massacre. À ce moment-là, nous même qui avons des armes, nous ne pouvons pas quitter ça. Mais je dis à tout le monde qui a été classé évolué. Je dis à des militaires kenyans ou anglais ou des policiers kenyans, ou whatever, quand l'autre policier qui vient, nous considérons comme des agresseurs. Nous considérons comme des envahisseurs. Et je dis à nous pour collaborer avec aucun envahisseur, aucun agresseur qui vient sortir pour passer l'indépendance de ce pays nous en Babylone. Nous pouvons continuer de toute façon. Avec l'État qui va le faire sur la salle de l'État. Et façon de arriver dans le quartier populaire, c'est les politiciens qui mettent des armes sur le quartier populaire. Soit pour déstabiliser le gouvernement qui est au pouvoir, les gens ont besoin de pouvoir eux-mêmes. Ça, mieux arriver dans le quartier populaire, parfois c'est le pouvoir qui met dans le quartier populaire. Les gens ont besoin d'empêcher l'opposition de manifester contre eux. Donc, mettre des armes dans le quartier populaire. L'autre façon, ça me revient dans le quartier populaire, c'est l'oligarchie qui met des armes dans le quartier populaire pour empêcher l'autre businessman de faire commerce dans le pays pour capable de compétition. C'est pour ça que ça me sert à l'égalité. Aujourd'hui, là, on ne peut pas mettre l'école dans le pays, pas de l'hôpital, pas de l'eau pour le monde. Les armes viennent tomber dans mes groupes armés, ils viennent apprendre les groupes armés à faire kidnapping. Kidnapping n'a pas sorti dans le quartier populaire. Kidnapping n'a sorti en l'air. C'est vous qui êtes comme bourgeois, oligarque, qui te font faire kidnapper l'autre businessman pareil, l'air où il y a besoin, en ont intégré ou qui menace. Et puis pour ça, les gens qui sont dans le quartier populaire, ils ont l'habitude de faire kidnapping parce qu'ils ont un peu comme là-dedans. Et puis eux-mêmes, ils ont l'habitude d'être autonome avec kidnapping. Je vous dis à eux qu'il y a assez d'argent pour continuer à acheter des armes. Il y a assez d'argent pour continuer à acheter des balles. Ça veut dire que l'État qui l'a acheté n'a pas de contrôle pour parler. Comme l'État n'a pas de contrôle pour parler, comme l'oligarque a perdu le contrôle pour parler, aujourd'hui, il y a une force multinationale qui vient remettre l'ordre pour nous pendant que nous-mêmes, c'est nous créer des soldats. C'est même ça qui est passé en 2004 avec le nouveau contrat social. Il y a eu besoin de déstabiliser le gouvernement en Jean-Bertrand Aristide. Donc, tu es utilisé pour déstabiliser Aristide, après, il y a un pouvoir et que le peuple n'a pas renouvelé le contrat social. Et c'est ça qui reproduit 20 ans après, en 2024. Là. C'est eux qui mettent ça dans le quartier populaire. Ils ont déstabilisé le gouvernement qui était là, je dis à eux pas de contrôle. Nous prenons l'indépendance de l'État en 1804. Je dis à toute solution est à prendre. Qui c'est pas solution que Haïtien est à son table et que vous décidez pour contre dans un an, dans deux ans, il y a peut-être dans la même situation que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire qui ça? Nous respectons CARICOM en ville, mais les pays qui font partie de CARICOM ne sont pas des pays avant elle qui sont indépendants. Il y a qui peuvent même des indépendants qui sont sous l'obédience des États-Unis, qui sont sous l'obédience de l'Angleterre,
qui sont l'obédience communauté internationale là toujours. Pendant ce temps, nous avons plus passé 200 ans depuis nous indépendants. Ça veut dire, pays qui n'a pas comme je disais, c'est nous qui avons une leçon de démocratie. Pays qui n'a pas comme je disais, c'est nous qui avons mis au chita et que pour nous montrer comment nous organiser l'État là. Mais dommage, les politiciens corrompus, mélangés avec les oligarques volés, les oligarques corrompus, bah nous avons ça comme situation. Côté que kidnapping, viol, vol et un pays qui a sombré. Côté que moun pa ka vivre là-dedans, moun a pourri tout côté. Ce chaos ça vient aujourd'hui là, son communauté internationale là connaît que c'est oligarques et politiciens dans combinaison avec nous qui mène ça là. Aujourd'hui, yo obligé pour recul pour quitter nous-mêmes haïtiens, nous chercher solution pour nous. Solution ensemble pour nous chita sur table là, pour nous mettre tout petit pays à sur table là et que pour nous dire mais qui ça nous veut. Mais quand on a mené le pays pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, mais quand on a voulu arriver pour 10 ans, 20 ans, pour pas un groupe de gars avec ça. Dans 10 ans, 20 ans, pour pas que nous appelions des kidnappés, pour pas que les femmes soient violées, pour pas que les gens mourent à gauche à droite, pour pas que les gens soient brûlés. Aujourd'hui, c'est ça nous-mêmes pour faire le pays. Ça qui a passé là. Nous choisissons. Nous ne pouvons pas faire partie de la solution. Nous ne pouvons pas rejeter aucun monde. Nous ne pouvons pas faire exclusion. Tout le monde là dedans. Il faut que tout le monde soit là pour nous penser pays. Mais la communauté internationale va faire un petit groupe pour nous mettre chita. Quel est l'accord Montana? Qui est-ce qui fait partie de l'accord Montana? L'accord Montana, qu'est-ce qu'il a dedans? C'est même oligarque encore. Nous mettons représentants dans l'accord Montana pour être capable de renouveler le même système qui est là. Regardez, quelle famille la Valas. Ils ont tout fait partie du gouvernement Ariel Henry. Et ainsi de suite, quel est l'autre représentant qui fait partie du conseil présidentiel? Ils ont tout fait dans le gouvernement Ariel Henry déjà. Je veux dire, c'est même petit groupe qui chita avec la communauté internationale et puis qui vient proposer un conseil présidentiel de 7 membres qui va gagner pour avec la constitution pays. Ça a révolté nous-mêmes qui nous vivons ensemble. Et nous avons continué à prendre ensemble pour nous gommer jusqu'à dernier coup de sang. Et même si ils sont arrivés à assassiner chaque membre de vivre ensemble, génération capillaire a continué nous-mêmes. Parce que Haïti nous souhaite. Haïti qui a l'école gratis, l'école privée gratis pour tout le monde. Haïti qui a l'eau potable pour nous. Haïti qui a la sécurité, qui a le travail. Nous avons qu'à faire avec la communauté internationale, la gens qui ont fait là. Avec ingérence, j'en sais où qui a décidé pour nous. J'en tout le bagage qui a fait dans le pays, si blanc va parler, et que nous-mêmes nous avons décidé. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Caricom était obligé de mettre le chita parce que c'était une opportunité pour tous les politiciens qui ont été chita à son table pour proposer le pays à un bagaille. Pour nous jouer une solution, pas de jambel. Peut-être que ça. Parce que tout ce n'est pas Haïti qui est intéressé, c'est plein pouvoir pour proposer le pays. En gros, c'est ça qui a passé. C'est oligarchie mélangée avec la classe politique qui met le pays à un chaos qui est là aujourd'hui. Yes. To the outside world, this is one of the main roads, right, in Port-au-Prince. Donc ça c'est une route principale pour Port-au-Prince. Ouais. Balsimola. Là, c'est autre route là, mais ça fait nos barricades. Juste pour empêcher que mercenaires qui dans la police va nous tuer ou assassiner nous là. Ouais, tout cas, ça est fermé. C'est pas peur pour la police qui va venir assassiner les gens qui fait fermé. Et pas peut-être nous-mêmes qui gagnons, mais nous avons plus peur la police parce que la police est venue, nous tuons tout pour nous. Nous sommes obligés de barricader la police pour nous. Je vais vous chercher à préparer devant toi. Ah, ah.
Voilà. Puis coup de balle. Balle passée pour nous faire. Kéké, dans le moment où on parle là, nous, au niveau palais national, là, nous tout près et nous sommes capables de dire. Pour tout 2004, les glamés ont pété un pile balle là. Les glamés ont pété un pile balle. Voilà. Voilà. T'inquiète. Les glamés. Les groupes dans ici. Et au boulil. Voilà. Ah, nèg yo pa avanse sérieusement. Et nèg la mais obligé à péter un pile coup de balle. C'est radement régi là. Vraiment. Aga yo pa piti du tout. Bagayou pas petit du tout. N'a regardé un défi là. N'a yo tout prié, n'a regardé un défi ça. N'a regardé un défi qui n'a tout qui n'a dos tout 2004 là. Anti caoutchouc n'est pas boulé ou bien si c'est quelqu'un si c'est quelqu'un entreprise à bouler nous pas connaître. Voilà. Là, gros coup de zam qui a chanté au niveau palais national là. Meni. Et gros coup de zam qui a chanté. Meni nous bord tout 2004 tout palais national. Personne ne va prêter bon palais national, il prêter à Bobal. Et Radmaré gagné et jodi là. Et nous connaît et ta doué installer cette nouveau membre blanc dans coup cassation en Bemeni. Baga la mélanger jodi là. A vraiment mélangé. Vraiment mélangé. N'a pas suivi comment l'événement a déroulé. Dans le moment où on a parlé là. Regardons la fumée. La fumée était nous avons la fumée en vin blanche. Par contre, c'est quelle machine a boulé là. Qui est-ce qui m'était dit fait ça? Voilà. Je ne sais pas qu'on ait dit fait ça. Qui côté vous mettez différent exact? Je ne sais pas qu'on est. Parce que différent à tout près. Et je ne sais pas qu'on est quelle machine vous mettez différent qui devant et caserne de saline. Meni. N'est-ce que vous devant caserne de saline? Vous mettez un différent. Meni. Mais tout 2004 à mes caserne de saline tout près. Mais vous différent et qu'apprend dans une machine devant caserne de saline.
Meni. Nèg yo rive nan espace sa, yo mete di fe, meni. Rad mari gen n'ap suiv. N'a permet ou viv comment et situation li même l'ap développé au niveau chan bas. Voilà, c'est comme ça la situation présentée au niveau de Chan Mas. Coup de balle à chanter dans toute la coin. Voilà. Vas-y. Nous allons quitter pour nous prendre là. Nous allons quitter pour nous prendre. Tellement de coups de balle qu'on a tiré, nous allons quitter pour nous prendre. Nous allons aller, nous allons aller. Tellement de coups de balle qu'on a tiré, nous allons aller. On prend un coin. Ça y est, balou, regarde, c'est qu'à filer là. Balou, qu'à filer là. Attention, attention. Contrôlez, papa. Allez, allez. Côté. Il est là. Côté, bon. Viens, mais ici, va piquer. Mais il est bon, oui. Madame Levé, là, nous sommes faits là. Et bien, balle capturée, elle est passée à l'autre côté. À l'autre côté, moutez Piro. Moutez Piro, chérie, moutez Piro. Al Piro, nous pas d'accord, vous êtes là. Attendez, vous prenez balle là. Vous pas de problème. Moutez Piro, s'il vous plaît. Enfin, citoyen, moutez Piro, s'il vous plaît. Les gars, descendent, moutez Piro. Papa, c'est nous beau là. C'est compliqué au niveau champ de masse.